Zlatan, do you think it was too easy for Paris today? Est-ce que c'était trop facile pour le PSG ce soir? No, no, it's never easy. I mean, because we win 4-0, it's not easy. People talk the same against Kyiv also, it was easy. It's not easy. You have to go in the field and you have to do your job. We play against a good opponent. Away, you can hear the supporters, it's not easy. But today we did a good game, we scored 4 goals and we win. And do you think today it was a big Zlatan, the best of Zlatan today? I'm playing better and better. I mean, against Kyiv I was a little bit tired, but I try to do better every game. And when the team is doing good, I'm doing good. So every game that goes, it goes better, yes. You are really happy in Paris? You are happy? Yeah, I'm very happy. Thank you. Thank you. Jérôme, le pari était trop fort, tout simplement, ce soir? Bah, c'est sûr qu'il y a une grosse différence entre nous et Paris, mais voilà, je pense que quand tu prends un but au bout de 5 minutes sur un coup de pied arrêté, alors qu'on a dit qu'il fallait être concentré, c'est sûr que c'est compliqué, parce que 1-0 au bout de 5 minutes, ça te plombe un peu ton bon début de match, malgré tout. Et maintenant, avec ce but, je pense qu'on a montré de belles choses. Maintenant, le réalisme est présent, c'est des grands joueurs, on le sait très bien. Et le très haut niveau, c'est peu d'occasions et beaucoup de buts. Voilà, c'est du réalisme parisien. Après, nous, il y a de bonnes choses, mais c'est sûr que ça fait mal de prendre 4-0 à la maison. Le score est large, c'est vrai, mais est-ce qu'il y a des choses positives à ressortir pour la suite, pour Bastia? Il faut essayer, je pense qu'il y a eu des bonnes choses dans le jeu. Quand on a eu le ballon, on a créé du jeu, on a essayé du moins de garder le ballon quand il fallait, de jouer vite quand il fallait. Après, c'est sûr que pour marquer des buts contre ce genre d'équipe, il faut être plus solide, il faut des exploits individuels, ce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire ce soir, même si par moment, on n'était pas loin de marquer. Merci.